Et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Claude Sarraute, Olivier Ranson, Raphaël Mesrahi, Valérie Mérès, Jean-François Derecq et Isabelle Alonso. Vous allez bien? Oui. Ah, je suis passé ce matin par la place de la Concorde. La Grande Roue est toujours là, Claude. Oui, hein? Oui, oui. Il est temps d'en faire le dernier tour, là, de Grande Roue. Oui, non, moi, j'oserais pas. Vous n'avez jamais fait de la Grande Roue? Non, jamais. C'est pas vrai. Non, non, c'est sûr. Ni la petite roue, non. Une roulade comme ça, là, t'es capable de faire. Je vous emmène, si vous voulez, Claude. Ah oui, ah oui, là, là, volontiers. Il reste encore 3 mois, tu sais ça? Il vous reste 3 mois? Non, elle reste. Ah non. Quelle horreur! Quelle horreur! J'avais une idée où on pourrait la mettre, la Grande Roue. Non, mais si ça gêne, il n'y a que foutre un mur en béton devant, comme ça on la verra plus. C'est vrai. Non, vous savez quoi? Moi, j'ai beaucoup dit qu'il fallait qu'il la démonte, parce que maintenant, ça commence à bien faire. Mais j'attends qu'elle soit démontée pour dire « Ah, finalement, c'était bien ouais, !» hein? On va attendre un peu. Hein? Ouais. Ranson, vous alliez dire quelque chose. Oui, je pense que ça, si on mettait des nacelles plus grandes, ça pourrait faire un parking supplémentaire pour la place de la Concorde. C'est surtout que si on mettait des nacelles plus grandes, vous pourriez rentrer dedans. Oui, parce que j'ai les gros et les futurs gros avec moi, n'est-ce pas? Allez, il est temps de passer à la photo du jour. C'est celle du président Douillet, de son épouse Bernadette, qui ont lancé hier la 13e, et oui, déjà 13e édition de l'opération Pièce jaune en faveur, vous le savez, des enfants à l'hôpital. David Douillet est tellement populaire, et le passage à l'euro impliquant qu'on se débarrasse tous de notre monnaie, qu'à mon avis, cette année, ils vont recevoir tellement de pièces qu'ils vont devoir mettre à l'hôpital même des enfants qui n'en ont pas besoin. Vous alliez dire quelque chose, Isabelle? Oui, on dirait que c'est des galettes des rois qu'ils sont en train de mettre dans la tirelire. C'est vrai qu'elles sont énormes. Ouais, c'est, énorme, ouais. C'est de la fausse monnaie, là, à mon avis. Hein. Je ne sais pas où ils ont récupéré ça. Elle fait ça consciencieusement, Bernadette. Ouais, hein. C'est très bien. Moi, je lui donne déjà toutes mes petites pièces en cuivre euro, là. Centimes. C'est vrai? Ah, oui. Alors, on peut donner des francs, des euros, faut tout donner. Hein. Le Monopoly, tout peut tout donner. Pendant ce temps, en tout cas, le judoka Jacques Chirac paraît, lui, de plus en plus jeune. Et c'est vrai, quand on voit cette photo à côté du ministre Lionel Jospin, on se dit que Matignon a usé Jospin et que Chirac fait quand même plus jeune. Regardez. Bon, évidemment que c'est l'abbé Pierre, vous l'avez reconnu. Ouais. Et sur ces photos publiées aujourd'hui par Gala, on ne sait pas si le président Chirac, regardez bien, est en train d'aider l'abbé Pierre ou s'il est en train de lui piquer son manteau. On ne sait pas. Je crois qu'il le secoue pour voir s'il reste des pièces jaunes pour Bernadette. Bravo. Puisque nous sommes dans les personnes âgées, une publicité parue ce matin dans Le Parisien nous annonce le retour sur scène à Paris de Jean Lefebvre au théâtre des... Ça ne s'invente pas, théâtre des nouveautés. La pièce s'appelle Les Jumeaux. Vous avez donc 2 Jean Lefebvre pour le prix d'un. Il y a sûrement le Jean Lefebvre comédien et le Jean Lefebvre chantier. On voit ça partout en France. Hein. En tout cas, cette affiche, quand on la voit, eh bien, on se dit que pour concurrencer Bernadette Chirac, Sylviane Jospin pourrait peut-être, elle, se lancer dans la collecte des pièces jeunes. Parce qu'il y a aussi du boulot, manifestement. Il est très, très vieux, maintenant. Oh, arrête, arrête, arrête. Il n'est pas tellement vieux, il est sûrement plus... Mais j'aimerais bien qu'on l'invite. S'il nous écoute, s'il nous entend, plutôt. Eh ben... Non, franchement, hein, on invite Jean Lefebvre, hein, d'accord? Bon, c'est pas gagné pour... Enfin, on va... De toute façon, on fait ce qu'on veut, hein. Dernière photo, celle de Marcel Desailly, Thierry Henry et Aimé Jacquet. Regardez bien, c'est dans L'Équipe ce matin. Est-ce que vous avez repéré cette photo? Ah oui, moi, je la reconnais pas du tout. On dirait que c'est Jean Tigana au milieu. Desailly, il est beaucoup trop maigre, je trouve. Attends, est-ce qu'ils sont pour de vrai ou est-ce qu'ils sont pas statufiés? Exactement, c'est leur statue en cire. Les statues qu'on peut voir au musée Grévin. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? D'abord, on dit plus le musée Grévin, mais les statues sont toujours aussi peu ressemblantes. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à les faire plus vrais. Il y en a des vrais. Par exemple, j'ai vu Zidane au musée Grévin. Ouais. Sa statue est très ressemblante. Elle est comme lui, elle parle pas. Alors, vous savez peut-être que celui qui préside le comité de sélection d'entrée au musée Grévin, c'est Bernard Pivot, dont on nous annonce ce matin dans les journaux qu'il commentera le 13 février prochain sur TV5 le match amical France-Roumanie. Et moi, je l'imagine déjà, Pivot, commenter le match. C'est Zinedine Zidane. C'est Zinedine Zidane qui a la manière d'un fleurettiste non rubigineux.
artiste non rubigineux qui perce la défense transilienne. Enfin, je vous en passe. Ça nous changera de Thierry Roland. Isabelle. Dans ce cas-là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils vont passer le match au ralenti. Évidemment. Le match sera 3 heures. Bah, le seul point commun qu'il y aura entre un match de foot et la dictée, c'est le nombre de fautes, finalement. Parce que, alors, en ce moment, c'est je trouve vrai. Que ça casse pas ouais, mal là, dans les ouais, matchs. C'est chaud en ce moment. Ouais, c'est un peu chaud. Bah, je sais pas ce qu'il y a. C'est la trêve, le mercato d'hiver. J'y pense, ils devraient vous prendre, vous, pour commenter les matchs. Mais moi, de j'adorerais. Foot. J'imagine Mesraï commentant les matchs. Il y a un maillot non, mais... bleu. Non, non, c'est pas passer un maillot blanc. Il passe à un autre maillot bleu. Je suis pas d'accord. Raphaël, non. Il est un peu mou, mais dès qu'il parle de foot, il se durcit. Remarquez. Isabelle, allons-en, commente un match de foot, ça doit être pas mal. Il n'y a pas assez de femmes sur ce terrain. Ça va être terrible. Derek, hein, vous aimeriez commenter le foot? Pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Pourquoi aussi, remarquez. Allez, autre sujet. Ils sont 500. Eh oui. 500 à chanter dans le métro en étant directement accrédité par la RATP. C'est l'EMA, l'espace métro Accor, qui auditionne régulièrement ses candidats prêts à chanter dans toutes les bouches. Chanter dans le métro, c'est ce qu'a testé justement pour nous Dan Bolander, qui nous joue les mélodistes en sous-sol avec une complice, vous allez le voir, devant les caméras de Julien Héron. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé chanter dans le métro. On y va ? Ta ta yo yo. La 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 la. C'est moi, Frodeloum, papa. Ça vous a fait plaisir, messieurs dames, de voir Annie Cordy ? Tout à fait. Qu'elle est rajeunie, surtout. Ah oui, bah ça, forcément, comme toutes les chanteuses. Hein. On ne parlait pas assez d'elle. Exactement. Et ben voilà, donc elle a décidé de faire sa promotion dans le métro. C'est très bien. C'était une bonne idée. Oh, voilà. Oui. Ya, vol. On m'a vu grimper sur un tonneau. Et je chante comme un petit oiseau. Pas une bonne idée, hein. Pourquoi ? Wow, parce que dans le métro, on chante plus pour se faire de la maille. Alors si elle a déjà la maille, elle a plus besoin de chanter dans le métro. Annie Cordy fait une tournée dans le métro. Oui. Oui, mais pas. Pourquoi vous faites le con à la télé ? Quand vous parlez ? Pourquoi je fais quoi ? Là, vous parlez bien naturellement, mais quand vous êtes à la télé... Ah, oh, mais je peux le faire aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore derrière. Oui, hein. C'est Annie Cordy qui joue aujourd'hui dans le métro. C'est le grand retour d'Annie Cordy. Ouais, ouais, non, mais ça pourrait être même la reine d'Angleterre, vous savez, là, où il faut quand même vous pourrissez un peu la vie, là, quand même. Là, mine de rien, quand même. Là. Non, mais c'est Annie Cordy, quand même. C'est quand même une grande chanteuse française. C'est vraiment pas cool. Non, mais Annie Cordy a décidé de venir chanter dans le métro aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Ta ta yo yo, dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Mais, pas les laisser tranquilles. Mais pourquoi vous avez coupé la musique? Vous pouvez pas les laisser tranquilles. Mais non, mais vous empêchez Annie Cordy de chanter. Vous empêchez eux de jouer, monsieur. Madame, vous êtes irrespectueuse et vous partez ailleurs. Attendez, comment vous parlez à Annie Cordy? Mais ça, je m'en fous d'Annie Cordy, monsieur. Tout le monde a voulu voir Annie Cordy. Oui, voilà. Bah, ailleurs, pas ici. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a de la musique là déjà. Pourquoi est-ce que vous en mettez d'autres? C'est le grand retour d'Annie Cordy dans le métro. Attendez, aujourd'hui, c'est une chanteuse populaire et elle a décidé d'être dans un. Pourquoi vous emmerdez ici? Il y a quelque chose de beau là, pourquoi vous nous emmerdez? Mais oui, mais Tata Yo-Yo, c'est beau aussi. Non, on a rien à foutre de Tata Yo-Yo, qu'on respecte les autres, c'est tout. Dan Bolander et, précisons-le, un sosie d'Annie Cordy. Hein, c'était pas un vrai coq, elle aurait été capable, Annie, oui, d'accepter de jouer son propre rôle dans cette caméra cachée. On comprend mieux pourquoi la RATP, en tout cas, auditionne et décide de donner des endroits à certains chanteurs, pas à d'autres, parce qu'autrement, ce serait évidemment un bordel monstre dans les couloirs de la RATP, entre la concurrence entre la musique classique, l'opéra et j'en passe. Mais Zray, vous aimez ça dans le métro, les gens qui chantent ou qui jouent de la musique? Bah, mais j'ai déjà fait ça. J'ai chanté une fois. Non. Si, j'ai chanté Un jour, mon prince viendra. Faites-le, la voir. Un jour mon prince viendra, un jour il te dira que tu es. Valérie, vous aimez ça, vous? Moi j'aime bien quand
seulement quand c'est beau, quoi. Pas quand c'est Mesrahi. Derek? C'est-à-dire, non, moi maintenant, je ne prends plus que le taxi, mais j'ai un musicien qui chante dans les taxis avec moi. Vous avez un musicien qui chante dans le taxi? Je l'emmène avec moi. C'est une solution. Oui, ça s'appelle un autoradio. Vous, Isabelle? Oui, moi, je prends jamais le métro, mais je chante sous ma douche et je récolte du liquide. J'aime justement vous demander d'accueillir une cantatrice, une soprano lyrique coloratour, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin on va s'en apercevoir quand on va l'entendre, qui a quitté la station Aubert pour refaire surface entre opéra et opéra. Je vous propose de tester avec nous une ex-chanteuse donc du Subway, du métro, qui sera en concert le 25 janvier prochain au théâtre MacNab à Vierzon. Elle s'appelle Marie-Reine Vallée. Bonjour, bienvenue. Vous êtes chanteuse lyrique? Oui. Et combien de temps avez-vous chanté dans le métro? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. C'est un bon souvenir? Oui, c'est un très bon souvenir, surtout sur le plan relationnel. Et puis, le métro m'a révélé un tas de choses sur moi-même. Par exemple? Par exemple, que j'avais un certain pouvoir sur les gens. C'est-à-dire? Que ma voix avait un pouvoir. Ah, bon. Pas moi, mais ma voix. Avait un certain ascendant sur les gens. Et que ça les rendait plus joyeux? Je pouvais émouvoir surtout. Ben, joyeux, je ne sais pas, mais ça les rendait heureux certainement d'une certaine façon. Mais quand vous chantez uniquement? Oui, plutôt. Écoutez, je vous propose de faire le test. Vous avez ici un micro. On va voir si nous aussi, on va être émus quand vous chantez. On a choisi, je crois, un extrait de Norma, de Bellini, que vous allez nous interpréter. Je vous propose d'applaudir Marie-Reine Vallée. Bravo! Juste une chose. Non, parce que c'était très émouvant, c'est très bien tout ça, mais vous avez votre ticket? Ah, je dois prendre mon ticket. C'est vrai? Ah oui, oui, ah oui, oui. Quand vous alliez chanter dans le métro, il fallait un ticket? Oui. Incroyable. Je prenais un ticket, d'ailleurs, l'anecdote, c'est que je ne pouvais plus sortir. Pourquoi? Parce que j'étais dans la station Aubert, et que dans la station Aubert, eh bien, ça dure 2 heures, le ticket. Donc, comme je restais en général plus de 2 heures, eh ben, j'étais coincée. Donc je devais faire ce que je n'aime pas trop faire, c'est-à-dire... Passer par-dessus le... Ben oui, le portillon. Enfin, par-dessus c'était difficile, mais de me faire tenir la porte pour que je passe en dessous avec tout mon matériel. Est-ce que les gens vous donnaient beaucoup d'argent? Ça dépendait. Les jours où j'étais très en forme, très en voix, oui. Et c'est dans le métro que vous avez été repéré par quelqu'un qui vous a aidé par la suite à faire des concerts dans différentes salles de spectacle à travers la France. Oui, par un jeune homme, oui. Un jeune homme qui est venu vous qui voir. Qui n'aimait pas du tout le lyrique au départ. Pas du tout le lyrique. Qu'il n'aimait pas lire. Ni le classique.
et puis qui a été touchée par ma voix. Vous êtes premier prix du Conservatoire d'Orléans, diplômé du Conservatoire de Paris. Qu'est-ce qui vous a amené à chanter dans le métro? C'est une décision qu'on prend. Est-ce que c'est facile comme décision à prendre? Est-ce qu'on fait ça vraiment contre son cœur? Je ne sais pas si c'est une décision, mais en gros, j'ai suivi le conservatoire, mais on s'est un petit peu trompé sur ma voix. Pour ça, vous avez pris le métro? Vous êtes trompé de ligne, quoi. Je me suis trompé d'aiguillage. Et c'est des Dives Desca qui va sortir. Desca, oui, qui est un auteur-compositeur contemporain. Je vous laisse dire le titre du CD parce que... C'est Dio mi ascolterà. Voilà. C'est-à-dire si Dieu voulait m'écouter, enfin. Ça devrait sortir dans les mois qui viennent. Oui. Parfait. Je voudrais aussi vous demander, Marie-Reine Vallée, un petit test supplémentaire sur ce plateau, parce que vous chantez des choses beaucoup plus gaies aussi de temps en temps, hein, des choses rigolotes, joyeuses. Et hier, Raphaël Mesrahi, sur Europe 1 d'ailleurs, hier après-midi, m'a fait découvrir une chanson dont j'ignorais totalement l'existence, qui paraît-il se vend comme des petits pains en ce moment. Ça s'appelle, écoutez bien, « Qui a du caca, kaki collé au cucu », c'est ça? Oui. Comment ça se chante, ça? Qui a du caca qui colle au kiki, colle au kiki jusqu'au kiki. Est-ce que vous seriez capable, mais de façon lyrique, hein, plus enlevée, de façon lyrique, de nous chanter juste ce petit refrain pour le plaisir dans ce micro? On encourage Madame Vallée. Qui a du caca qui colle au kiki? Qui a du caca qui colle au kiki? Qui colle au cucu, colle au cucu jusqu'au cucu. Bravo, je vous embrasse. Merci. Vous pourrez applaudir Marie-Reine Vallée tout prochainement, le 25 janvier. Bravo. En concert à Vierzon au théâtre MacNab. Je vous souhaite une longue carrière. Merci, merci beaucoup. Un peu de littérature. Depuis Bille en tête jusqu'au Zubial, en passant par Le Zèbre ou Fanfan, ses romans sont à chaque fois des best-sellers. Il est aussi réalisateur, mais c'est pour un nouveau livre publié chez Gallimard que nous allons tester celui qui vient nous voir aujourd'hui. Ce livre s'appelle Mademoiselle Liberté. C'est une histoire d'amour idéal. Enfin, c'est lui qui va nous l'expliquer. Est-ce un jardin extraordinaire? Pour le savoir, accueillons tout de suite Alexandre Jardin. Mademoiselle Liberté, le dernier jardin. Oui. Comment ça? Oui, ça c'est le titre d'un film que vous avez fait. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Je suis venu faire quelque chose d'assez particulier ce soir. Mais encore un tour de magie. Non, mais habituellement, vous testez les invités, je suis venu vous tester. Non. C'est-à-dire, je suis venu vous essayer. Vous êtes en train de tenter d'échapper à votre sort. Exactement. C'est-à-dire. Bon, ben venez vous asseoir, on va tous se mettre sur les bouchons. Qu'est-ce que vous voulez nous faire? C'est-à-dire que le sujet du livre, c'est très simple, c'est l'histoire d'une fille qui veut vivre un amour parfait, sinon rien. Elle n'est prête à aucun compromis, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas ce que des millions de femmes qui sont en train de nous regarder ce soir devant leur poste acceptent, parce qu'à mon avis, la proportion de celles qui ont téléphoné à leur mec pour dire « ne rentre que si c'est pour me faire vivre ce soir un chef-d'œuvre » doit être assez mince. Oui, alors, comme par hasard, elle a 20 ans et comme par hasard, elle ne vit pas avec le mec. Non, elle a 18 ans. Hein? Moi, oui, bien, elle m'a appelé, elle m'a dit « rentre plus tard ce soir, le dîner n'est pas encore prêt ». Moi, la mienne, elle m'a appelé. Bravo! Alors, bien sûr, hein. C'est-à-dire que c'est une fille qui a accès à ses envies. Oui. Et c'est tout ce que j'aime chez une femme. Avoir accès à ses envies, ça veut dire que les toilettes sont pas occupées, c'est quoi? C'est... Oh, tu as un bon sujet. Un roman d'amour, hein, je vous le rappelle. Mais comme dans tous les livres d'Alexandre Jardin. C'est toujours l'amour qui vous porte. Toujours, et c'est toujours on va jusqu'au bout de tout. C'est super sur non, un bouquin, pas de mais. Tout. En vrai. Alors justement, on va vous tester. Ah. C'est-à-dire, j'ai imaginé les questions que Mademoiselle Liberté vous aurait posées si elle avait été invitée sur ce plateau. Ah, Mademoiselle Liberté, c'est l'héroïne du nouveau roman de Jardin. Et on terminera par Laurent Ruquier. Très bien, allons-y. Pour qu'on ait quelques révélations. Bien sûr. c'est des révélations. À mon avis, ça va tomber vers 20h, 20h05. On va poser la question à chacun ou à tout le monde? À chacun. Et on va commencer par Olivier Ranson. Ah. Qui est tenu de dire la vérité, pour qu'on sache enfin de quoi il retourne. Il ne sait pas faire ça. Alors, si une femme dont vous êtes vraiment amoureux vous quitte, est-ce que vous auriez l'élégance minimale de mourir ou est-ce que vous faites partie
des médiocres qui survivent à ce genre d'événement. Ça dépend de la pension alimentaire qu'elle me laisserait, vous savez. Bonne réponse. Ah oui. On peut passer à Derek. On va passer à Jean-François Derek. Oh là là. Est-ce qu'il vous paraît scandaleux que certains hommes pitoyables ne fassent jouer leur femme à la perfection qu'une seule fois par jour? Une fois par jour, pour... mais à la perfection, pour vous, est-ce que c'est un minimum ou un maximum? Vous pouvez répéter la question? C'est d'ailleurs jouir, je comprends. Perfection, je comprends, mais c'est l'ensemble des deux. Ce que vous demande... Il faut traduire. Ce que vous demande le monsieur, c'est si vous avez déjà fait un don d'orgasme. En clair. Si j'en ai déjà fait un? Ah ben ça, c'est ma femme qui s'occupe de ça, il faut lui demander. On va passer à Valérie Mérès. Ah, Valérie. On va partir du postulat que vous êtes folle d'amour. Ouais. Elle est folle d'amour. Ouais. On ne sait pas, nous. Ah, moi, je sais. C'est une part du postulat. Nous, on le sait. Salut, Dédé. Il a horreur qu'on parle de lui, Dédé. Salut, Dédé. En plus, il est avec une autre en ce moment. Alors... Donc, parlons tranquille. Voilà. Chez vous, est-ce que vous êtes capable de vous retenir d'aller aux toilettes pendant plusieurs jours si votre homme est là? Ou est-ce que vous faites partie de ces femmes bestiales qui vont aux toilettes avec vulgarité devant leur homme, sans rougir? Ah, c'est vrai que c'est un signe, ça. Moi? Ah oui, ah oui. Moi, j'adore faire pipi devant mon mec. Ah, ça devient intéressant! Vous avez bien fait de venir, vous, dites-donc! C'est quand même pas dégoûtant de faire pipi, on meurt si on fait pas pipi. C'est ce que j'explique. Et là, il y a Dédé, il est là, installé, il regarde. Mais, pas spécialement, pas à chaque fois. Non, ça fait pas du tout partie des fantasmes de Mademoiselle Liberté. Faut dire que de faire pipi devant. Je sais bien que je correspond pas au genre d'Alexandre Jardin, c'est impossible, j'ai lu ses bouquins depuis le début quasiment. Et je sais qu'il ne me trouve pas assez romantique, c'est clair. Mais c'est sûr, contre... si vous dites viens me voir, je pisse à la maison. Mais par contre, j'ai une idée de l'amour qui est presque aussi... Absolue. Qui est presque aussi absolue que les héroïnes de monsieur. Bien. Parfait. Mais c'est pas tout à fait la même Elle dans est la en même train de dire direction. Qu'elle est infernale à vivre. Tant mieux. Raphaël Mesrahi, c'est à vous, je crois. Non. Oui, oui, je vois le nom. Si, il faut assumer. Est-ce que vous êtes de ceux qui font à la femme de leur vie une surprise par jour? Ou est-ce que vous faites partie de ces hommes décevants, avachis dans la routine, qui se contentent d'une seule surprise par semaine, érotique ou autre? Non, je fais une surprise par jour, je rentre chez moi. Ah, hey, ils sont forts parce que... Ils sont forts parce que il faut quand même les dire, hein, on ne connaissait pas vos questions avant. Hein. Alors, bravo les gars et les filles. Hein. Et on en vient à Claude Sarraute. Ah. On va enfin tout savoir sur quelque chose d'essentiel. C'est d'ailleurs drôle que vous adressiez à Claude Sarraute parce que le second slogan de votre livre, on pourrait dire, vous auriez pu appeler ça effectivement un amour, comment vous dites déjà, un amour presque, un amour parfait sinon rien, non, un chef-d'œuvre sinon rien. Oui, un chef-d'œuvre sinon rien. Le slogan du livre, c'est un chef-d'œuvre sinon rien. Et vous, votre amour, on le sait, c'est monsieur Jean-François Revel. Oui. On ne fera pas un grand scoop en disant que son premier nom, c'était Ricard, qu'il a changé de nom ensuite. Et l'autre slogan, c'est un Ricard sinon rien. Donc je trouve que vraiment, ça vous va parfaitement, Claude. C'est vrai. Alors, lorsqu'un homme vous embrasse, que ce soit votre mari ou un autre, et que ce baiser est imparfait, je veux dire, pas assez étourdissant, est-ce que vous lui dites mieux, jusqu'à ce que ce baiser devienne un chef-d'œuvre? Ou est-ce que vous êtes de celles sans ambition qui se contentent d'un brouillon de baiser? Je reconnais, Mademoiselle Liberté, j'aurais été dans le temps. J'aurais fait exactement comme elle. J'aurais dit mieux encore, j'aurais insisté jusqu'à ce que et ce soit. Et comment tu fais pour dire mieux pendant qu'on t'embrasse? Et tu as dit que tu dis fais mieux ça. Entre chaque baiser. Et maintenant tu as compris que ça n'est pas possible. C'est ça, qu'il faut mieux revenir. Je dis quand j'étais plus jeune, rien que d'imaginer que je puisse embrasser un monsieur maintenant, ça doit faire horreur à tous bon, les gens. Bon, si vous rend le dentier. Non, juste. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Parce que je vais vous proposer, puisque l'émission s'appelle « On a tout essayé », je voudrais qu'on prenne Claude Sarraute au mot. Que quelqu'un vienne l'embrasser pour qu'on voit si ça va jusqu'au chef-d'œuvre. Et je vous propose que ce soit Laurent Ruquier. Et je demande au public
d'encourager Laurent Ruquier. Ruquier. Alexandre, je vais vous dire, c'est pas la peine, parce que d'abord, on l'a déjà fait. Et on a même la photo, on vous l'enverra. Non, c'est donc pas vous vrai. Avez tout essayé. Voilà. Mais ce serait un peu incestueux, parce que moi je le considère comme mon fils, alors voilà. Qu'il avait un plus. L'argument est recevable. Ah, l'argument est recevable. Ah oui, oui. Parfait. Hein. Oui. Isabelle Alonso, il n'y a pas eu le droit. Ah. Est-ce que vous préférez vivre avec l'homme de votre vie une seule journée de passion parfaite ou 10 ans de bonheur normal dans une maison normale, en forniquant normalement avec un petit mari normal? C'est mal me connaître. C'est tout le thème du bouquin, ça, sûr, évidemment. Je ne veux que des journées exceptionnelles, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai. Magnifique. C'est bizarre, ça. Moi, je suis très surpris. Je suis très surpris parce qu'on ne se voit pas tous les jours. Non, mais moi, contrairement à Alexandre, je trouve que la vraie grandeur de l'amour, elle est dans le quotidien, elle est dans les petits gestes qui deviennent magiques parce qu'ils sont partagés. On a besoin, juste tous les jours, de savoir créer des petits moments d'éternité comme ça. Et c'est possible tous les jours dans la vie des gens normaux. Pas la peine de perdre. De temps en temps. On en vient à Ruquier. Qu'est-ce qu'il va me demander? Peu de gens le savent, c'est vrai, mais j'ai fait mon enquête. Allez-y. Avant l'émission, et c'est vrai que Laurent Ruquier est un romantique invétéré. Absolument. C'est vrai. C'est vrai. La dernière fois que vous avez fait une déclaration d'amour, est-ce que vous l'avez écrite à l'avance, réécrite, rectifiée, peaufinée jusqu'au délire, je veux dire, vraiment mise en scène pour en faire un moment de perfection, un pur chef-d'œuvre, ou est-ce que vous êtes contenté d'un brouillon de déclaration sur dans un décor anodin? Sans exécuter sans mise en scène particulière. Est-ce que vous en avez fait un chef-d'œuvre? J'espère, mais c'est pas à moi d'en juger. En tout cas, merci d'avoir aussi bien parlé de votre livre. Alors justement, vous me permettez juste un petit test. Vous avez aimé, pas aimé Claude? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Très, très bien fait, très bien tricoté. Les personnages secondaires, Lord Byron, c'est génial, c'est très bien fait. Il mange ses chiens, ouais. Comme ma grand-mère. C'est pas vrai. Si, ma grand-mère a mangé son dernier chien, parce que... Par amour. Oui, par amour. C'est marrant, parce que ma grand-mère aussi dit... Vivant c'est vrai, ou pas ouais. C'est vrai, elle a mangé son dernier chien, elle a regardé les os qui restaient dans l'assiette, elle a dit « Ah, oh, si Médor était là !» Et ma grand-mère avait un véritable culte du plaisir. Et pour elle, la cuisine était un plaisir immense. Et pour rendre hommage à son dernier chien, elle en a fait un curry. Et est-ce qu'elle était veuve? Oui. Et elle n'a pas mangé le mari. Alors Isabelle, vous avez aimé, vous? Moi, très sincèrement, c'est pas ma famille littéraire. C'est vrai que c'est des histoires un peu adolescentes, je trouve. Pour moi, ça ne me nourrit pas suffisamment. Il y a trop de perfection pour moi, quoi. J'aime bien dans la vie les petites laideurs, les petites imperfections. Je trouve que c'est là que je cherche, moi, l'absolu. Ah bah c'est pour ça que vous êtes heureuse toutes les deux. Mais oui, elle arrive à donner des leçons à tout le monde. Elle arrive à 18 ans et elle dit aux gens ce qu'il faut faire. Mais elle assume ses envies. Et moi, je crois que les femmes ne disent pas assez aux hommes qu'elles veulent de la perfection. Je veux dire, si les femmes assumaient leurs envies, leurs besoins d'absolu, je suis sûr que les hommes y répondraient. Elles le disent beaucoup, hein, mais ils écoutent moyen, quoi. Alexandre, c'est faux. C'est épuisant de passer son temps à le dire. C'est faux. Je suis convaincu que les hommes n'attendent que ça. Je n'ai jamais rencontré un de mes copains me dire, voilà, j'ai rencontré vous en une avez fille un là. Qui ne rêve que de tricot. Oh, il peut y avoir des qu'est-ce qu'on s'en fout de leurs rêves aux bonnes femmes, de toute façon? Écoutez, je vous le dis, vous qui nous regardez devant votre téléviseur, si jamais vous ne pouvez pas avoir la perfection chez vous, eh bien, regardez-nous tous les soirs entre 19h et 20h. Alexandre Jardin, je vous remercie. Vous avez été parfait, justement. Allez, on l'appelle l'obsédé du théâtre. Il faut dire qu'il a monté Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, Angélique et même Jésus avant de passer bientôt à Napoléon. Il a signé la mise en scène de Crime et Châtiment de Dostoïevski, joué actuellement par Francis Huster dans son théâtre à lui, à Marigny. Mais s'il vient nous voir ce soir, c'est pour que nous testions ensemble sa foi à travers le livre qu'il publie aux éditions du Pré au Clair, Lumières et Ténèbres. Je vous demande d'accueillir Robert Hossein. Bonne année. Merci, merci. C'est l'accueil à chaque fois.
Je t'en prie. Qu'est-ce que vous dites, Robert ? Je dis que c'est d'autant plus émouvant que vous avez une émission qui rend et qui nous rend un peu optimistes et gays. On pourrait croire que, alors que tout ce qui se passe dès qu'on sort de votre studio devient un peu plus sinistre. C'est vrai. Là, par rapport à la vérité des événements et moi-même, je me demande un peu, parce que tout ce que j'ai à vous, vous allez me parler, le livre s'appelle Lumière et ténèbres, Crime et châtiment, je joue huis clos, c'est l'enfer, c'est les autres, et il y a en plus toute l'île de Napoléon, donc je veux dire que ça fait... Au revoir, Robert Rossin. Merci, monsieur Dallet. Vous allez bien ? Bah écoutez, je voulais d'abord, puisqu'on a jusqu'au 31 janvier, que je ne l'ai pas fait ni par téléphone ni par petit mot, vous souhaiter une bonne année, Robert. Merci, et à vous aussi. De bons spectacles. Bien, bonjour. Hein ? Vous connaissez tout le monde, là, ici ? Ah, mais oui, moi, il me connaît bien. Moi, il ne me connaît pas bien. Non. Vous qui êtes un grand séducteur, vous avez flirté avec Claude Sarrazin ? Non, pas du tout. Là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais un peu de ravalement, quoi, mais... Tu es ma... Moi, pas vous, moi. Mais attends. Moi, personnellement. Allez, il est temps de parler de Lumières et Ténèbres auprès au clair Robert Rossin. Alors là, vous, vous racontez un peu votre foi, votre côté mystique, on le savait déjà. Pas bigot, hein, vous n'êtes pas bigot. Pas non plus un pratiquant à fond la caisse. Vous n'allez pas à l'église tous les jours ou tous les dimanches. Non. Mais vous avez Dieu auprès de vous tous les jours. Auprès de moi, non. Mais enfin, je me permets de faire quelques vous remarques. Vous avez Dieu auprès de vous, en tout cas, ce soir. Si Dieu avait sa ressemblance, je crois qu'on a une petite chance, alors de... À ce moment-là, on peut être les anges, hein. Robert Rossin, avant que chacun de mes petits camarades vous dise ce qu'il a pensé de votre bouquin, je vais vous proposer de regarder dès maintenant le test réalisé par Dan Bollander et réalisé par Julien Héron. Accrochez-vous, Robert. Bonjour, ici le père Bollander. J'ai testé, exorcisé le palais des sports suite à la dernière visite de Robert Rossin. Va dire rétro, Satanas ! Vous savez que la salle du palais des sports est quelque part possédée. Ouais, non, mais elle est possédée pour l'instant par un bon spectacle et je vais vous demander de nous laisser un petit peu, s'il vous plaît. Et vous savez que Robert Rossin a joué Jésus dans cette salle. Ouais. Il nous a demandé de venir afin d'exorciser le palais des sports. Mais ça, il faudra voir avec lui. Je vais vous demander, s'il vous plaît, bien sûr, de voir bien. Je t'exorcise par la vérité, la vie, vous l'éternité. Vous passez derrière les barrières. Que Robert Rossin a rencontré des phénomènes inexplicables. Il a le sentiment que cette salle, en fait, est maléfique. Donc, je dois exorciser la salle et je dois vous protéger si vous rentrez ici. Je t'exorcise par la vérité, la vie, l'éternité, par la création sortie du néant. Pas la peine de m'emmerder avec ça. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Mais je suis prêtre exorciste, madame. Nous ne sommes pas dans un cimetière, dans une église, écoutez. C'est important, c'est pour votre bien. Robert Rossin a dit, je suis régulièrement visité, je ne voudrais pas que ça vous arrive, ma fille. C'est trop, trop, c'est trop, vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais demander de ne pas trop importuner les gens qui sont ici. Vous travaillez au palais des sports ? Oui, je travaille là. Vous laissez les gens tranquilles ? Je comprends, mais vous savez que Robert Rossin a appelé l'église afin que nous protégions le palais des sports. C'est très important. Protégé déjà, j'ai pas besoin de vos salamalek. Oui, je suis bête, c'est but. Je suis à vous. Je suis en rut. Pourquoi vous parlez à Robert Rossin ? Regardez, je vous explique. Robert Rossin... Vous laissez tranquille, est quelqu'un de très bien. Et quand il a monté le spectacle Jésus dans cette salle, il a connu des phénomènes étranges. C'est-à-dire, regardez, il l'écrit lui-même. Vous laissez la paix. Monsieur Robert Rossin est possédé. Bon, allez. Je dois vous protéger, mon fils. Bon, c'est fini. Je t'exorcise par la création sortie du néant. C'est pour votre bien, madame. Ah là, mais ça pue. C'est pour votre bien. Ah oui, bah merci. Qu'est-ce que je nous la fais, s'il vous plaît. C'est monsieur Robert Rossin qui nous a appelés. Ça n'a aucune importance. Si, c'est important. En plus, ça donne mal au cœur. Ça pue la rhume. Amen. Non, 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 non. Non, c'est important, ma fille. Donc, vous faites quoi, là? Mais nous venons exorciser le palais des sports. Oh, laissez-nous aller voir notre spectacle. Moi, j'ai payé, hein. La salle est possédée, madame. C'est vous qui êtes possédée. La salle est possédée. Comment ça, elle est possédée? Nous devons vous exorciser. Je dois vous exorciser. Va dire être trop, Satanas. Bon, voilà, ça vous fait rire. On était sûr. Vous l'avez reconnu? Puisque, quand même, après Marigny, le Palais des Sports, c'est un peu votre seconde maison, on peut dire. Vous avez reconnu pas mal de gens qui travaillent là-bas. Oui, absolument. Pas ceux qui les foutent les gens dehors, parce que ça fait partie d'un autre spectacle
Les dix commandements, qui n'a rien à voir avec... Napoléon et Jésus. Et Jésus, oui. Et c'est vrai que pendant que vous avez monté Jésus, si j'ose m'exprimer ainsi, oui, Robert, vous avez été visité. Non, comme je ne suis pas à dire des conneries, parce que... Oh non, ce n'est pas le genre de la maison, monsieur. Non, on n'en dit pas des conneries. Ce sont des phénomènes nerveux, uniquement. Ah. Par exemple, les stigmates, tu sais que tu racontes dans ton livre. Non, j'ai jamais dit, j'ai jamais employé le mot. Non, t'as pas employé, mais c'est. Des traces sur les. Non, des traces. Mais il est pas stigmate, il est myope, Robert. Voilà. Non, mais c'est grave. Alors, c'est quoi ces visites? Vous dites quand même que vous êtes visité. Non, je ne suis pas visité. Je veux dire qu'il y a certains moments où, par exemple, en montant les évangiles, c'est la troisième fois que je. Tente de monter le spectacle et certainement je ne suis pas, il n'est peut-être pas abouti comme j'aimerais l'être puisque je recommence. Mais il se passe des choses étranges à partir du moment où je décide de le faire, mais c'est des conneries parce que c'est uniquement nerveux. Vous avez droit à quatre évangiles, hein, vous savez, pas plus. Hein, quand mais je me sers des quatre en les mélangeant. Alors quel genre de phénomène nerveux? Non, mais des phénomènes étranges, mais comme je suis très cartésien dans la vie, que j'aime la vie, que j'aime bouffer, que j'aime j'apprécie l'amour, les femmes, et au contraire, je ne comprends absolument pas, pendant ces périodes, ce qui arrive. Vous êtes à table avec vous, par exemple, en train de bouffer, de déconner, et soudain, hop, il vous arrive des trucs qui vous plient en deux. Comme Bush avec le bretzel, ouais, c'est un peu des choses qui arrivent. Sûrement, sûrement. Et puis, non. Les phénomènes physiques, on s'en tape, on n'a pas besoin d'en parler. Regardez le dessin de Rançon. Robert, monte Jeanne d'Arc. Eh, seigneur, il n'y a pas écrit Luc Besson ici. Alors, les copains. Alors, un petit tour de table. Oui. Les copains ont lu Lumières et Ténèbres. Je commence par Isabelle Alonso. Alors. Je ne savais pas que vous alliez faire alors, ça. Alors, moi, rien ne m'est plus étranger que la foi. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Bravo. Et que je respecte. C'est un cheminement personnel, donc je lis ce que vous dites et je me dis, bon ben voilà, il est comme ça, c'est le contraire de moi. Mais il y a quand même énormément de textes dans lesquels je me reconnais et j'en ai un que je préfère, qui s'appelle « La nécessaire utopie ». Je suis d'accord avec vous sur la nécessité de l'utopie. Voilà, donc en étant exactement diamétralement opposé à vos convictions, puisque je ne crois ni en Dieu et je ne connais pas la foi. Ni dans les hommes. Il y a beaucoup de textes. Comment ? Ni dans les hommes. Ben, dans les hommes, je crois dans les hommes et dans les femmes, évidemment. Je crois dans l'humanité. Rançon. Vous avez écrit dans le livre, je n'ai jamais lu la Bible avant de monter le spectacle. De Jésus. De Jésus. Non. J'en connaissais la substance. Et vous dites, après, j'ai demandé à mes assistants où je pouvais me procurer le livre, donc la Bible. Ils m'ont emmené dans une librairie du quartier Saint-Sulpice. Je voulais un texte. Ça veut dire que si vous avez besoin qu'on vous aide à trouver la Bible, qui est le bouquin le plus imprimé sur Terre, vous n'allez pas c'est... me faire croire que vous avez réussi à trouver Dieu tout seul. Hein, quand même. Vous avez raison, c'est lui qui m'a trouvé, ça va? Moi, je voudrais juste dire un petit truc, c'est que moi, j'ai mon Dieu à moi, j'appelle le vieux, et je discute avec lui. Je lui dis, si tu me donnes ça, je ferai ça, je fais jamais, j'attends qu'il donne. Il me fait des... Je lui dis, fais-moi un prix de gros, sois gentil, etc. Et je suis, hélas, persuadée que beaucoup, beaucoup de gens sont comme moi, alors que toi, tu éprouves. Et tu témoignes d'une foi qui s'étend à tout le reste de l'humanité. Moi, il ne m'est jamais arrivé de demander à mon vieux qu'il cesse les guerres et qu'il rende les gens heureux. Je m'en fous complètement. Et je veux que moi, il fasse que je perde 3 kilos. Ah, alors là, si elle perd 3 kilos, t'as une catastrophe. Mévrahi, des questions à Robert Hossein? Moi, j'ai adoré Robert. J'adore ça, justement, je préfère quand il parle de Dieu, tout ça, c'est génial, j'ai pas pu me décoller du bouquin. Non, c'est vrai, hein. je trouve ça merveilleux. Ouais. Alors, il y croit pas, hein. Il croit en Dieu, mais pas en Mézraï. Allez-y. Non, je jure, c'est vrai. Non, Robert, alors, très sérieusement, vous qui croyez en Dieu, ça vous fait quoi de passer un jour après Éric Chardin? Ben, j'ai de l'espoir. Deuxième question. Alors, Robert, quand est-ce que... Non, vous me répondez sérieusement, s'il vous plaît. Ouais, non, mais... Lâchez-vous, vraiment, ce serait bien. Quand est-ce que vous êtes dit pour la dernière fois « Oh, Germaine, sois mienne » ? Ben non, j'ai déjà une femme qui s'appelle Candice. Ah oui, c'est vrai, mais une maîtresse. Enfin, Candice, c'est pas tout. Oui. Exactement. Bravo.
Je l'embrasserai aussi de ma part. Elle est charmante. Elle est charmante. Et autrement, où s'en est de votre casting de Napoléon? Parce que là, je... Non, je ne sors pas, je n'ai pas commencé. Ah, vous n'avez pas commencé? Ah bah non, c'est pour octobre l'année prochaine. Ah, on a les affiches partout dans Paris, hein. C'est aigle, tricolore. Bah, bah, c'est pour espérer que quelqu'un aura une place, c'est ça. Bon, vous allez organiser un casting, on aura le Napoléon bientôt. Plein. En tout cas, on peut dire que c'est Alain Decaux, assisté de Paul Lombard, qui ont écrit ce... On va dire quoi? Eh oui, c'est vrai, eh oui. Ce nouveau spectacle de Robert Hossein, c'était Bonaparte, c'est à partir de quand au Palais des Sports? 2 octobre. 2 octobre. Alors on va se livrer à un petit jeu. Chacun de mes camarades a choisi un personnage historique. À vous d'essayer de trouver qui c'est en posant des questions. Par exemple, Isabelle, elle a choisi un personnage. Mais je les connais. Allez-y. Alors, si, bah regardez parce que c'est du mime. Ah bon? Alors. Ah ouais. Ah bah oui, ça, ça va. C'est quoi? C'est au paradis avant qu'on descende. Et c'est qui le personnage? Et Ève. Oui, il est beau. Ah, ça, ce serait joli. Valérie. Pourquoi la pomme? Ah bah, Guillaume Tell. Ouais. Guillaume Tell, ce serait pas mal à monter. Ah oui, ça, c'est... Hein? Surtout, surtout si on a, si on a des dents de rechange. Ah oui, oui, si on a des doublures. Ah bien sûr. Parce qu'on rate à tous les coups. Évidemment. Là. C'est sûr, l'émotion. Mesraï. Non, ça je sais. Quasimodo, le sonneur. Non, ça c'est la ressemblance physique. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté. Frère Jacques. Alors, Brigitte Lahaie. Ah, non, mais attends. Brigitte Lahaie est son choix. Alors, attendez, recommencez. Non, c'est Don Camillo. Don Camillo. Ah, c'est pas bête parce au théâtre. Parce qu'il sonne et puis parce qu'il fait ah, il fait oh, ah. Avec Charles Pasqua dans le principal rôle. Vous êtes un imaginatif, c'est bien. On termine par Derek. Ah, j'en ai un, moi, oui. Oh, on faute. Ah, c'est. Attends, c'est Kennedy. C'est Kennedy. Ah non. C'est le gars qui a pas bien compris. C'est Kennedy. Mais non, c'est George Bush qui est venu. Appelle le con aussi. Mais c'est Robert Hossein quand même. N'importe quoi, toi. On a évoqué, c'était Bonaparte qui commencera en octobre au Palais des Sports. Le livre, Lumières et Ténèbres. Crimes et aussi, châtiments. Évidemment, en ce moment, Crimes et châtiments avec Francis Huster à Marigny. Hommage à Dosto. Ouais. Et Huis clos qui est en tournée aussi. Ouais. Hein, et hommage à Dosto et Huis clos qu'on joue. La pièce de Sartre en tournée qui s'est jouée elle aussi L'enfer, à Marigny. L'enfer, c'est les autres. Auparavant. Hein. Robert Hossein, qu'est-ce qui se passe souvent dans vos pièces à la fin de la pièce? Le public participe et peut donner son opinion. Est-ce que pour Napoléon, on va voter? Non, on ne va pas voter, mais il va se passer des choses au milieu du public. Ah oui? Ouais. Alors, moi, j'ai donné un bulletin de vote au public. Est-ce que Robert Hossein a été bon ou pas? Oh, ça, bulletin bien. Rouge s'il n'a pas été bon, bulletin jaune s'il a été bon. Bon, je vais le garder. Oh, non. Ah, là, il n'ose pas, lui. Ah, il y a des méchants. Ah, deux, on repère les mauvais. Hein. Oh, bande de païens. Ah, dites, ça, alors là, vraiment, c'est un plébiscite. De droite? C'est un plébiscite, bravo. Vous êtes à droite? Ah non, vraiment, génial. Merci. Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous quelques minutes encore. Pour la dernière séquence de l'émission, dernière séquence de l'émission qui s'appelle... Eh bien, vos clics... Kika. Comment... Kika, voilà. Mais non, mais le j'arrive Kika pas. Quoi Kika... Dis quoi? Toi. Oui. C'est encore raté. Kika, dis quoi? On n'y arrivera jamais. Ce sont des déclarations qu'on a relevées dans la presse. Je vais demander à tout le monde dans la rue en sortant, je le jure. Aujourd'hui, j'ai passé ma vie à dire... Kika, dis quoi? Vous pouvez laisser parler Laurent, dire quoi? Parce que là, c'est... Puisque vous ne connaissez pas le Kika dit quoi, brièvement, je vous rappelle le principe des déclarations relevées dans la presse le matin. Les petits camarades vont essayer de retrouver qui a dit quoi. C'est à vous de les aider, évidemment. Alors, par exemple, première déclaration. Casino de Paris, Espace Cardin, théâtre de 10 heures. Bientôt, je vais finir dans mon living room. Qui a dit ça? C'est plutôt drôle. Julien Clerc. Non, pas Julien Clerc. Bah non, parce que Nicole Croisille. Qui ça? Nicole Croisille. C'est Nicole Croisille qui a dit ça. Avec vous. Alors, attendez.
Elle passe. À quel propos? Parce qu'elle passe actuellement au théâtre de 10h. Elle est là-bas jusqu'au 26 janvier, Nicole Croisy. Elle dit voilà, j'ai fait le Casino de Paris, l'Espace Cardin, théâtre de 10h maintenant. J'ai fini par chanter dans mon living room. Bravo. C'est beaucoup d'humour de sa part. Ouais, ouais. Alors allez voir Nicole Croisy au théâtre de 10h. Autre qui a dit quoi? Je n'ai jamais vu Paris dans cet état de délabrement. Qui a dit ça? Madame de Panassieux. Madame de Panassieux. Qui vous dites? Non, mais Laurent, c'est moi. Madame de Panafieux. C'est pas vous qui avez dit ça. Non, c'est Madame de Panafieux. Madame de Panafieux, bravo, ouais. Raphaël, ah, mes oui. Mais alors là, t'as triché. Hein. Quoi? T'as triché, bah tu lui as donné la victoire. Non, mais attends, elle l'a dit la première. Complètement, un quart d'heure avant. Ah non, mais vraiment, croyez ma bonne elle foi. Elle l'a dit, franchement. Ah non, mais je l'avais pas entendu. Non, parce que vraiment, un quart d'heure, non, un quart d'heure avant. Non, vraiment, s'il y en a une bonne foi ici, c'est moi. Autre qui a dit quoi? J'ai une certaine personnalité, je ne suis pas ce qu'on appelle un mollusque. Moi. C'est pas vous, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé dans l'émission. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Robert Hossein. C'est pas Robert Hossein. On l'a vu dans les photos du C'est quelqu'un qui accorde une interview à Gala cette semaine et elle. L'abbé Pierre. Ah ben Chirac. Bernadette Chirac. Bravo Isabelle Alonso. Allez, un dernier. Ouais. Un dernier pour la route. Ouais. Là, et on laisse Robert Hossein essayer de trouver avant vous. Attention, Robert. Oh non. Ah, si vous avez Robert, non, mais j'y connais rien. Priez, ça va arriver. Ouais. Je me concentre. Vas-y. Je n'ai pas pensé à ce que cela représentait. Je connais quand même la valeur du pain. Ah, ça, c'est Fabius. Non. L'autre. Tu y es attendez. Prenons notre temps. Jospin. Voilà. Bravo, oui. Robert Hossein. Hier, lors de la présentation des vœux de Lionel Jospin, ça se passait au Quai d'Orsay, ouais, je crois. Ouais, c'est ça, il s'est expliqué sur cette petite erreur qu'on l'a vu commettre. Hein. Il a acheté un pain de seigle, 7 €. Ça faisait cher le pain de seigle. Hein. Ouais. Ouais. Oui, moi je pensais que c'est le boulanger qui lui a fait remarquer. Hein. Ouais, oui, bah oui. Il con ce boulanger. Ouais, pour une fois qu'il pouvait prendre du pognon à Jospin et pas le contraire, dis donc. Robert Hossein, moi je suis l'homme qui vous dit merci ce soir. Ouais, merci d'être venu nous voir. À demain 19h. Au revoir.